Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que la rentrée des classes s'est bien passée, que vous soyez élèves ou maman de petits bouts qui ont fait donc leur rentrée ce matin. Donc, moi les miens ça a été, donc c'était un grand cap puisque le grand est rentré au CP avec un an d'avance et le petit fait son entrée en petite section. Donc c'était beaucoup beaucoup d'émotions ce matin. Et donc c'est parti donc pour la vidéo où je vais vous présenter des petites nouveautés. Alors j'ai vendu quelques petits trucs dernièrement en fait. Donc j'avais une petite cagnotte sur PayPal et j'en ai profité donc de cette petite cagnotte pour passer une commande sur Bitsy et commander le nouvel agenda de chez Carpe Diem. The Reset Girl. Donc The Reset Girl, que je dise pas de bêtises, donc c'est une américaine. Donc ça c'est son pseudo et donc c'est une fille qui est fan de scrapbooking. Donc apparemment il y a plusieurs kits à son nom. J'ai pas trop encore farfouillé là-dessus. Mais moi ce que j'avais adoré donc c'était la couleur du planeur. Il est juste trop trop beau. Donc ça, il s'appelle Ballerina en fait. Donc c'est un rose nude. On peut dire ça comme ça. Entre le rose et le pêche. Donc voilà, donc un rose nude très très beau. Moelleux. Donc c'est un format A5 celui-ci. Donc vous voyez, on a les petites lunettes. Donc je crois que c'est le symbole hein, de The Reset Girl puisqu'elle a des lunettes. Et donc vous avez en doré et c'est marqué Carpe Diem. Hop, je l'ouvre. Donc voici comment il est à l'intérieur. Donc sur cette partie-là, oh, bah j'ai mes lunettes qui sont fait la malle. Donc vous avez donc les anneaux qui sont dorés. Et donc là, vous avez des petites poches comme d'hab et une plus grande juste ici. Et sur l'envers, vous avez cette poche-ci. Donc ça, c'est très pratique, je trouve, ce système-là. C'est pour mettre un petit bloc-notes, en fait. Genre liste de courses, des petits pampettes, des choses comme ça. Et on a une autre pochette. Donc voici pour ce superbe planeur. Je l'adore, donc j'attendais de faire la vidéo pour commencer à l'investir et je pense que je vous montrerai ça dès que ce sera fait. Alors, personnellement, bien que je trouve la collection donc, qui va avec The Reset Girl très jolie, ce n'est pas mon coup de cœur. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour la nouvelle collection donc, de chez Carpe Diem qui s'appelle Poche. Donc, notamment ce planeur là aussi. Mais bon, faut arrêter les conneries à un moment donné. Hein. Ça n'a rien à voir non plus 10 000 planeurs. Mais sinon, celui-ci... Je trouve que la couleur, elle est, c'est mint, mais un mint froid. En fait, très, très couleur d'hiver. Je trouve super. Donc moi, j'ai craqué donc, sur cette petite collection poche-là. Et donc, j'ai pris ceci. Donc dedans, on a les inserts. Et en fait, tout simplement, mais je pensais qu'en fait, il y avait les feuilles pour le planeur dedans. Et en fait, non. Donc du coup, je suis un petit peu dégoûtée par rapport à ça. Donc voici à quoi ça ressemble. Et c'est parti pour le gros plan.
Et pour terminer, j'ai pris aussi donc dans cette collection poche de chez Carpe Diem ce qu'ils appellent, donc il y a les dashboards, les pocket cards. Donc il y en a 12 et 12 et il y a du foil dedans. Donc, voici. Et donc c'est pareil, c'est parti pour le gros plan. Et donc c'est parti pour le gros plan. Donc j'espère que cette nouvelle façon de filmer les hauls en me voyant et en faisant aussi les gros plans pour vous montrer le détail vous plaît. N'hésitez pas à marquer un petit comme pour me dire si vous aimez cette nouvelle façon de filmer. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !